Nous sommes donc en direct du 22 août de Cluny pour commencer cette célébration du jubilé des 200 ans de l'arrivée des religieuses Saint-Joseph de Cluny en Martinique avec l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Cluny. Et donc les bienvenus. Cette procession avec Monseigneur David Macaire, les religieuses Saint-Joseph de Cluny, celle de Martinique, et également avec la nouvelle provinciale, Sœur Véronique, provinciale des Antilles-Guyane. Sœur Véronique, provinciale des Antilles-Guyane, prendra la parole pour le mot de bienvenue. Elle est accompagnée à ses côtés des chefs d'établissement du 22 août de Cluny, M. Gilles Voyer et Mme Geneviève Tell. Monseigneur.
Mon Seigneur, chères sœurs de la communauté de Cluny-Fort-de-France, chers membres de la communauté éducative, Monsieur Voyer, Madame Tell et Monsieur le Président d'OGEC, Monsieur Pognon, chers amis, chers parents, chers élèves, chers invités, soyez tous les bienvenus parmi nous en ce jour. C'est vraiment avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue en ce jour où nous avons choisi de célébrer Saint-Joseph et le 200e anniversaire de l'arrivée des sœurs de Saint-Joseph de Cluny en Martinique. Au terme de cette année jubilaire, nous venons rendre grâce au Seigneur, chers jeunes, pour tout ce que vous avez vécu tout au long de cette année. Je suis convaincue qu'au cours de cette belle année jubilaire, vous avez beaucoup appris sur votre établissement. À l'origine, cet établissement est une extension de l'externat de la rue Lamartine lorsqu'il a fallu ouvrir le secondaire. Face aux besoins grandissants, les sœurs se sont mises à l'œuvre. La construction de ce nouvel établissement dans les hauteurs de Fort-de-France va permettre aux filles, tout d'abord, de vivre leur scolarité dans les meilleures conditions. À la fin du siècle, elles seront celles qui les ont précédées et pourront à leur tour bénéficier du même enseignement. 200 années de rigueur, d'attention aux besoins de chacun et de chacune. Quelle dose de confiance pour avancer. Avancer malgré les moments difficiles. L'amour de ses sœurs pour cette portion de vigne du Seigneur leur a permis de faire des miracles. Je suis sûre que vous serez tout à fait du même avis que moi. Après avoir associé les parents à la vie de l'établissement à travers diverses fêtes, entre autres les kermesses, le personnel de service et les enseignants deviennent de vrais collaborateurs. Ils emboîtent le pas aux sœurs et maintenant, la bonne qualité de l'enseignement, sans oublier la formation des cœurs, se poursuit encore aujourd'hui. Célébrer ce 200e anniversaire, c'est dire merci à Dieu pour notre fondatrice Anne-Marie Javoué. Que de fois n'a-t-elle pas foulé cette terre, encourageant ses filles à former les jeunes afin qu'elles trouvent leur place au sein de la société, au sein de l'Église et surtout qu'elles contribuent à son développement. Dire merci à Dieu pour nos devancières. Elles étaient au nombre de 6 à leur arrivée à Saint-Pierre en 1824. Dans leur sillage, de nouveaux établissements ont été ouverts, entre autres celui de Fort-de-France, aujourd'hui centre-ville, malgré le travail qu'elles avaient dans toutes les autres communes. C'est aussi dire merci à Dieu pour ceux et celles qui, à leur suite, personnel éducatif, enseignants, parents, amis, tous ceux qui nous soutiennent, qui continuent cette belle mission avec autant de rigueur, d'enthousiasme et le désir toujours plus grand de vous permettre, chers jeunes, d'aller plus loin, le plus loin possible dans votre formation. Que le Seigneur continue de vous bénir chacun, de nous assister,
Que le Seigneur continue d'être présent à nos côtés et qu'il soit toujours notre compagnon de route. Bonne fête à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Alors, il y a notre invité, c'est le pape François qui s'est invité à notre assemblée. Et comme il lui ressemble, je vais laisser au Père Christian Cataillé, spirituellement en tout cas, de nous lire le texte que nous a envoyé, qu'a envoyé le pape François pour les sœurs de Cluny. Sa sainteté François accorde de grand cœur la bénédiction apostolique à la supérieure provinciale, sœur Véronique. Toutes les sœurs de la province, leurs associés, élèves et collaborateurs, à l'occasion du bicentenaire de la présence missionnaire des sœurs de Saint-Joseph de Cluny au Martinique, et invoque, par l'intercession de la Sainte Vierge, une nouvelle abondance des grâces divines. Au Vatican, le 4 mars 2024. Bien, on lui enverra une photo de notre assemblée pour lui dire qu'on a bien reçu la bénédiction. Entrons maintenant dans la célébration de la messe en reconnaissant que nous avons péché, en demandant au Seigneur surtout sa miséricorde face à nos misères, nos soucis, nos problèmes, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos jeunes, pour nos anciens. Que le Seigneur nous baigne de sa grâce pour que nous puissions repartir heureux et joyeux pour toute notre vie. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À l'aube de temps nouveau, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Samuel. Merci. Lecture du livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis, et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui,
sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Sa mère, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui habite dans le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui habite dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Dieu et qui fait que nous soyons là aujourd'hui? Réponse facile. Premier âge. Pas de bonne réponse? Attention, pas de bonne réponse, pas de bac, pas de brevet des collèges. Qu'est-ce qui habite dans le cœur de Dieu et qui fait que, oui, l'amour, bien sûr, l'amour de Dieu. Dieu nous regarde avec amour et il pose un regard unique, personnel sur chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous sommes baptisés. Dieu connaît notre prénom personnellement. Beaucoup de personnes pensent, ceux qui sont croyants déjà, pensent qu'on est pour Dieu un numéro parmi d'autres, parmi les êtres humains. Un peu comme quand on est dans une foule quelque part, voire à l'école, mais Dieu merci, dans nos écoles, on connaît et on éduque, on essaie en tout cas, de vous connaître chacun personnellement et de vous éduquer. Je me rappelle dans le lycée où j'étais, il y avait un proviseur assez particulier, on était près de 1000 élèves, et un jour, j'arrive en retard, discrètement, et le proviseur me voit et me dit « Macaire, qu'est-ce que tu fais là? Tu pars en cours avec Madame Untel ?» Je dis « Comment le gars, c'est pour savoir dans quelle classe je suis, avec qui je suis censé être en classe ?» Mais même si ça fait près de 40 ans, je me souviens encore que ce proviseur savait exactement qui j'étais, exactement dans quelle classe j'étais censé être ce jour-là. On essaie de vous éduquer chacun comme un être unique, et l'amour, c'est cela. Dieu même, personnellement. Tout le catéchisme que vous faites, tout le témoignage de la parole de Dieu, de la Bible, tout le témoignage qu'on essaie de vous transmettre, c'est que chacun d'entre vous, vous êtes aimé, voulu, désiré, personnellement. C'est vrai pour les jeunes en particulier, c'est vrai pour les anciens. Et tout le jeu du diable sera de nous dire, ben non, tu n'es pas un être personnel, tous les autres se fichent de toi. Au contraire, et c'est plutôt de... La seule personne qui peut se préoccuper de toi-même, c'est toi-même. Alors profites-en, écrase les autres, etc., etc. C'est l'inverse de l'amour, c'est l'égoïsme. C'est pas la haine, c'est l'égoïsme. C'est encore pire. Alors, cette fête de Saint-Joseph, alors cette célébration des 200 ans de la venue des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et des sœurs de Anne-Marie Javouet ici, c'est une façon de nous dire que nous sommes aimés chacun, que Dieu nous aime.
Deuxième question, qu'est-ce qui habite dans le cœur de Saint Joseph et qui fait que nous sommes ici aujourd'hui? C'est plus compliqué, ça c'est niveau sixième. Alors, je vous donne un indice. Qu'est-ce qui habite dans le cœur de Saint Joseph? Qui est, alors, dans sa relation avec Dieu en particulier? La... Ah, bonne réponse de Sœur Sabine. La foi. Bravo, Sœur Sabine. Ah, c'est pas Sœur Sabine, c'est bien. Anne-Marie, bien sûr. Pardon. La foi. La foi. La foi, c'est le même mot que la confiance. C'est la même chose, hein, avoir confiance en quelqu'un. Hein. Avant-hier, plutôt, je recevais les jeunes de la confirmation qui vont être confirmés cette année parmi vous. Ils étaient gentils, hein, vraiment. Ah ouais, vraiment. Ils représentaient bien votre établissement. Et je leur donnais un exemple de foi. Hein. Par exemple, quand vous allez à un fast-food, vous êtes en drive. Hein, vous vous rappelez, les jeunes? Voilà, hein. Vous arrivez, vous commandez votre repas au fast-food. Vous entendez la dame qui vous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Vous dites « Je voudrais un sandwich au poulet, s'il vous plaît, avec un coca. » Alors vous avancez, vous payez au prochain guichet. Bon, vous arrivez, vous payez, vous n'avez même pas encore vu le sandwich, vous payez déjà. Vous n'avez pas encore mangé, vous payez avant. C'est la foi, ça, c'est la confiance. Après, vous avancez, allez vous retenir au prochain guichet. Puis vous allez au prochain guichet. On vous donne un paquet, vous prenez le paquet, vous partez. Et comme il fait nuit, vous êtes en voiture, vous commencez à manger alors que vous n'avez même pas encore vu ce qu'il y a dans le paquet. C'est peut-être des ravets frits. Mais non, vous savez que c'est votre sandwich au poulet parce que vous avez confiance. Et quand on a confiance, on fait les choses en avance pour plus tard. Alors quand on a la foi c'est la confiance envers Dieu. C'est pas envers le fast-food. C'est la foi envers Dieu. Et ce n'est pas pour acheter un sandwich, c'est pour donner toute sa vie. Si Saint Joseph nous permet d'être ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une confiance totale en Dieu. Il a eu foi, il a confié sa vie en Dieu. Alors du coup, c'est quand même la classe, hein, Saint Joseph. Il a vécu avec Marie et Joseph. Tous les jours, il a habité avec Marie et Joseph. Dieu s'est confié à lui aussi. Parce que la foi, ce n'est pas simplement toi qui as confiance en Dieu. C'est Dieu aussi qui te fait confiance. Chers jeunes, chers parents, chers enseignants, chers personnels, chères sœurs, bien entendu, si vous êtes là, c'est qu'on vous fait confiance. Nous vous faisons confiance. La Martinique vous fait confiance. Le pays vous fait confiance. Vos parents vous font confiance. Et même Dieu te fait confiance. Je vous disais tout à l'heure que Dieu vous aime, mais il ne fait pas que vous aimer. Il a pour vous, vraiment, il a pour vous de la confiance. Il a mis en vous quelque chose. Vous êtes baptisés, la plupart d'entre vous, vous préparez au baptême, en tout cas vous êtes ici présents. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Il nous fait confiance pour témoigner de son évangile, de son amour, pour faire le bien. Vous savez, quand on se lève le matin, on peut dire « Personne n'a confiance en moi, personne ne m'aime ». Mais un chrétien, surtout si on est ici dans un établissement, qui est aussi une église pour nous. C'est quelqu'un qui se lève le matin, on se dit « Ouais, je sais qu'on compte sur moi. » Même quand on vous donne des devoirs à faire, ou des exposés, ou etc., ou quand il y a un contrôle, on compte sur moi. Si j'ai de bonnes notes, ça fera plaisir à mes parents, ça fera plaisir à mes professeurs. Mais ce n'est pas simplement des bonnes notes qu'on attend de vous. C'est toute votre vie, en fait. C'est comme pour l'amour. Chers jeunes, j'aimerais que pendant les années où vous êtes ici, et puis nous aussi les adultes, vous reteniez que Dieu vous aime et qu'on vous fait confiance. Parce que ça nous met debout le matin, beaucoup plus que les babillages de « Tu as fait tes devoirs !» Souvent, lorsque les adultes crient derrière nous, derrière moi aussi on crie, rassurez-vous, c'est qu'ils nous faisaient confiance et parfois ils ont été déçus. Mais ne vous inquiétez pas. Là aussi, c'est le message de la confiance de Saint Joseph. Il y a un moment donné où il a eu, peut-être pas des doutes, mais il a douté de lui-même. Il ne s'est pas senti à la hauteur. Eh bien, Dieu l'a soutenu.
Dieu lui a envoyé un ange pendant qu'il dormait. Et en songe, il a vu l'ange Gabriel qui lui a dit « Ne crains pas ». Et j'aimerais aussi que vous appreniez à vivre l'échec. Même quand vous vous cassez la figure, quand quelque chose ne va pas, quand vous avez eu un échec. Justement de dire « Malgré l'échec, on fait confiance ». Malgré le trouble de ce Joseph, Dieu lui a fait confiance. Il est venu le voir et dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Troisième question, niveau terminal cette fois-ci. Alors là, ah oui, la totale, là on monte au sommet. Presque au niveau de la direction. C'est beau, monsieur Voyer, madame Tell. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Anne-Marie Javoué et qui explique que nous soyons là aujourd'hui? Oui? Oui? Alors, bon, allez, ça commence par un... Bonne réponse, mais c'est le directeur du... du séminaire collège qui a répondu. Merci Alain. L'espérance. L'espérance. L'espérance, frères et sœurs, c'est comme allumer une bougie, un feu. Vous savez, quand vous allumez le feu, à part les méchants qui allument le feu pour vous faire le mal, mais quand on allume un feu, c'est parce qu'on a une espérance de préparer un repas, de mettre de la lumière. Si on met de la lumière, c'est pour voir. Si on veut voir, c'est pour aller plus loin. Et je vais vous faire un secret, quand on sépare, quand vous partagez une flamme, eh bien, quand vous donnez votre flamme, vous ne perdez pas votre feu et vous donnez le même feu à celui qui est à côté. Pour que lui aussi puisse faire son repas, pour que lui aussi puisse avancer et voir plus loin. L'espérance de Anne-Marie Javoué. On peut aussi dire un autre mot qui est moins chrétien, c'est l'ambition. Parce que souvent, on voit mal l'ambition, on voit comme quelque chose, quelqu'un qui veut écraser les autres. Mais pour nous, justement, quand cette ambition, elle est aussi avec l'espérance, chers jeunes, est-ce que vous avez de l'ambition? Est-ce qu'on a de l'ambition pour vous? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il faut avoir de l'ambition et de l'espérance? La réponse, c'est oui. Mais c'est un acte que vous devez faire. Ça, pour le coup, on peut pas, ça ne se décrète pas. Je ne peux pas appuyer sur un bouton quelque part sur votre cœur pour dire, j'allume le bouton avec une télécommande de l'espérance. L'espérance, c'est savoir vaincre. Les difficultés, vous aurez, nous aurons, nous avons des difficultés. Mais si Anne-Marie n'avait pas d'espérance, si elle n'avait pas l'ambition de vous voir réussir, de nous voir réussir, de voir les peuples réussir, figurez-vous que cette femme, 10 ans, je le répète souvent, 10 ans avant Victor Schœlcher, c'est Sœur Sabine qui m'a dit ça une fois, 10 ans avant Victor Schœlcher, elle libérait les esclaves en Guyane, elle achetait des propriétés pour libérer les esclaves. Il n'y a pas un monument en Martinique, si, il y a un petit monument en allant vers Schœlcher où on voit un peu son nom. Alors qu'elle a été une femme en plus, la première à l'époque, à se battre pour la libération concrète des esclaves. Parce qu'elle avait de l'ambition pour chaque homme. Elle avait une espérance pour l'humanité tout entière. Ou plutôt pour chaque personne, c'est beaucoup plus important. L'humanité, c'est un concept, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est toi et moi, c'est vous et moi, ce sont des êtres humains. Cette femme, animée par l'évangile, elle croyait en nous. Sinon, elle n'aurait rien fait, elle serait restée dans son canapé à regarder Netflix. Oui, il y avait déjà Netflix à l'époque. Hein. Ah ouais. Bon, ça coûtait moins cher, ça coûtait 1 euro. Ah ouais, mais... Bon, par contre, il n'y avait pas de film, donc je ne sais pas ce qu'elle regardait. Donc, Et vous avez le choix. Je crois que je vous l'ai dit une autre année, mais vous n'écoutiez pas de toutes les façons. Vous avez le choix entre le fait d'avoir de l'espérance pour vous-même, pour le monde autour de vous, et le jeu du diable, de la même façon que le jeu du diable va vous faire entrer dans l'égoïsme, ou vous faire entrer dans le doute. Le jeu du diable, c'est de vous faire entrer dans la désespérance, dans la facilité. Et écoute, mon cher, je reste dans mon canapé.
je n'ai pas d'espérance. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'espérance. Il y a 25 ans, j'étais aumônier d'un lycée. Il y a un jeune qui était en terminale à l'époque qui m'a dit, ah, de toutes les façons, j'étais pas encore évêque d'ailleurs, de toute façon, mon frère, dans 10 ans, il n'y aura plus de poissons dans la mer à cause de la pollution. Bon, on est 25 ans après, il y a toujours des poissons dans la mer, mes jeunes. Et il y en aura toujours. N'écoutez pas ceux qui vous font désespérer. Et s'il y a quelqu'un qui a envie de nous faire espérer, je pense que c'est Dieu, c'est Saint-Joseph, c'est Anne-Marie. Pour finir, je voudrais vous dire que parmi nous, il y a plein de petits Saint-Joseph ou Joséphine, plein de petites Anne-Marie. Il y a d'abord nos sœurs qui sont ses filles. Et la seule chose qui est intéressante finalement, c'est précisément l'espérance, la foi et l'amour qui sont dans leur cœur, pour nous. Et puis ce qui est beau, ce qui est très beau, c'est pour ça que vous êtes très beau. Vous êtes mal élevé, vous pourriez me dire merci quand même. C'est pour ça que vous êtes très beau. C'est que je sais que dans votre cœur, le Seigneur est en train de faire grandir la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Nous sommes donc en direct dans l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Cluny, dans le cadre du jubilé de l'arrivée des religieuses Saint-Joseph de Cluny. Déjà 200 ans de présence en Martinique. Nous venons d'entendre Mgr David Marquer, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, qui préside cette célébration. Sont présents les élèves du secondaire du collège Saint-Joseph de Cluny de Fort-de-France et de Saint-Luc. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Nous allons élargir notre cœur au monde entier et prononcer et dire ensemble la prière universelle après avoir chanté le refrain. Sauver tous les hommes. Nous te prions pour les dirigeants de notre monde, pour que le souci des plus pauvres, de la paix et de la fraternité soit leur seul désir. Par Saint Joseph, nous te prions. Seigneur notre Dieu, Jésus, tu as accompli de nombreux signes pour montrer l'amour de Dieu pour nous. En ce jour, nous te prions pour ton Église, le pape François, notre évêque David, les prêtres, les catéchistes, que leur vie reflète cette tendresse de Dieu afin que tous te reconnaissent.
par Saint Joseph, nous te prions. Saint Joseph, écoute ma prière. Notre Dieu, Jésus, toi qui as été persécuté, rejeté par ton peuple, nous te prions pour tous ceux qui fuient leur pays en raison de la guerre, de la faim, de l'insécurité qu'ils rencontrent, la solidarité, l'accueil de notre monde. Par Saint Joseph, nous te prions. Saint Joseph, écoute ma prière. Seigneur notre Dieu, Jésus, tu es venu dans notre monde pour bâtir un monde nouveau. Nous te prions pour toutes nos sœurs et tous les personnels qui ont œuvré dans nos établissements et qui ont rejoint la maison du Père. Nous te confions aussi ceux qui travaillent avec nous ou qui sont en retraite. Que ta bénédiction les enveloppe. Par Saint Joseph, nous te prions. Seigneur notre Dieu, Esprit Saint, toi qui fortifies, nous te confions notre assemblée, que ton souffle de Pentecôte la remplisse, afin qu'il y ait de nombreux missionnaires de l'amour dans ton Église. Et nous te prions pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qu'un souffle nouveau se répande à la suite d'Anne-Marie Javoué. Par Saint-Joseph, nous te prions. Dieu, qui est notre refuge et notre force par l'intercession de Saint Joseph, nous te prions et te demandons toujours ta bénédiction, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes donc en direct de Fort-de-France pour la célébration du jubilé des 200 ans de l'arrivée des religieuses Saint-Joseph de Cluny en Martinique. Fête de la Saint-Joseph 2024 pour l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Cluny avec les élèves du collège, du lycée, du post-bac de cet ensemble scolaire. Des sites de Fort-de-France et de Sainte-Luce sont également invités, les anciens élèves, les professeurs, tous ceux qui veulent avec nous aujourd'hui jubiler avec les religieuses Saint-Joseph de Cluny. Donne-moi
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui t'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Il a été l'homme juste que tu as donné comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu as confié la Sainte Famille. Il a veillé comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance de l'Esprit-Saint, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Mmh.
bon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque David, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, la bienheureuse Anne-Marie Javoué, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons délivrés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je propose d'accueillir la paix dans le silence. On aura le temps de se donner la paix. Alors chacun fait un beau moment de silence et puis on va chanter l'agneau de Dieu avant de communier. Recueillons-nous tous ensemble pour ce moment de paix, là où nous sommes, que cette paix inonde nos cœurs en cette fête de la Saint-Joseph. Qui enlève les péchés du monde, donne-nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur. Pouvons nous asseoir en attendant que la communion en silence peut commencer à chanter. Fais ta demeure en nous, Seigneur. Fais la présence.
tu es à présent livré pour nous. Voilà, nous pouvons maintenant venir communier. Vous venez vers les ministres de communion. Vous communiez devant la personne qui vous donne la communion. Vous ne repartez pas avec l'hostie dans vos mains. Ceux qui ne sont pas prêts à communier, parce qu'ils ne se sont pas confessés, ils peuvent venir les bras croisés pour recevoir une bénédiction. On se lève en silence. Je vous rappelle, on communie devant le ministre de communion. Pour ceux qui sont sur la Web TV, vous pouvez voir en direct des extraits de l'exposition actuellement à la Grande Salle. Exposition sur les traces d'Anne-Marie Javoué, 200 ans de présence en Martinique de 1824 à 2024. Une exposition préparée et coordonnée par Marc-Annick François Augrin, également ancienne enseignante dans l'établissement, avec toute une équipe. Nous les remercions particulièrement pour cette participation. Vous y trouverez des images, mais aussi des textes, des photos des élèves. Cette exposition est visible à la grande salle qui vient d'être baptisée Salle Anne-Marie Javoué, au 22 route de Cluny. Demain, vous pourrez venir dans la matinée suivre l'exposition. Anne-Marie Javoué vient d'une longue lignée et après elle, avec elle, ses sœurs, mais également des nièces, des petites nièces et également un prêtre dans la congrégation des Spiritains se sont engagés au service de l'Église. Anne-Marie Javoué, un exemple pour chacun et chacune, rempli d'espérance, artisan de l'espérance aux Antilles Guyane et au-delà. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Uni à ton amour, tu mourras pour toujours. Assois-toi, du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins les garés. Tous ceux qui n'ont pu être avec nous, aujourd'hui, vous pouvez venir demain. La congrégation religieuse et ses associés vous accueillent pour la matinée. Cela débutera à 8h30 avec une messe à la chapelle du 22 route de Cluny. À cette occasion, vous pourrez venir voir cette belle exposition sur les traces d'Anne-Marie Javoué, 200 ans de présence en Martinique.
200 ans de présence des religieuses Saint-Joseph de Cluny en Martinique, pas seulement sur Fort-de-France, mais dans cette exposition, vous pouvez voir leur présence dans les différentes paroisses, au niveau des différentes écoles en Martinique. Et maintenant, aujourd'hui, elles sont présentes sur trois sites. Au 22 route de Cluny, dans cet ensemble scolaire où nous sommes en direct, mais également à la rue Lamartine, externa Saint-Joseph de Cluny, et à l'annexe Saint-Joseph de Cluny sur la paroisse de Sainte-Luce. Saint-Joseph de Cluny, c'est des élèves depuis plusieurs générations, d'abord à Saint-Pierre, dans les différentes communes, mais également sur Fort-de-France. Pour ceux qui sont sur la Web TV, vous voyez une vitrine avec des photos d'anciens élèves, d'anciens enseignants, des cahiers d'écriture. Nous rappelons vraiment cette présence des religieuses depuis 200 ans sur les traces d'Anne-Marie Javoué. Marie Javoué, 200 ans de présence en Martinique avec les religieuses de Cluny, arrivée en mars 1824. Anne-Marie Javoué, qui est née le 10 novembre 1779, nous a quittés le 15 juillet 1851, fondatrice des religieuses Saint-Joseph de Cluny. Elle nous a laissé en héritage des religieuses qui aujourd'hui sont engagées dans des écoles, dans des hôpitaux. Elle a laissé aussi une série de lettres, d'écrits qui sont pour nous une révélation de la présence de Dieu dans leur vie, dans sa vie.
prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que nous avons reçus. Par le Christ notre Seigneur. Nous nous asseyons un instant. Madame la directrice de primaire a un petit mot à nous lire, je crois, de la part de madame la directrice diocésaine. Voilà, la directrice du primaire n'a pas changé, mais... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je représente humblement la direction diocésaine des écoles catholiques, Madame Geneviève Lupon qui est en déplacement. Un message à adresser à toute la communauté scolaire, les sœurs, les chefs d'établissement et le Père, le Monseigneur. Et de façon générale, voilà, tous les Martiniquais. Donc le message commence de façon suivante. Chers membres du groupe scolaire de Saint-Joseph de Cluny, c'est avec une immense joie que je partage avec vous, bien qu'à distance, les festivités du 200e anniversaire de l'arrivée de Mère Anne-Marie Jarouvet sur notre territoire. Nous fêtons une œuvre, mais également une personnalité hors du commun qui nous invite, deux siècles plus tard, à poursuivre incessablement la mission initiée. Béni soit Dieu pour son appel et son arrivée en Martinique. Son arrivée ici est adossée à une volonté ferme, celle d'une épouse du Christ, qui ne doit être occupée qu'à lui plaire, à accomplir sa saine volonté. Mère Anne-Marie a pressenti que l'éducation pour tous constituait un réel défi d'émancipation pour notre population, un fort vecteur de progrès. Sa vision, les efforts conjugués des religieuses qui la rejoignent dans cette belle aventure changent le visage de notre Église et la fortifie dans sa mission d'éducatrice d'âme. Les temps forts organisés par les trois chefs d'établissement, Madame Tell, Adelise et Monsieur Voyer, ont compté de la tutelle. Pardon, je suis très ému, j'essaie de reprendre mon souffle. Voilà, Monsieur Voyer aux côtés de la tutelle, des religieuses, les messes, les impressionnantes expositions proposées par Madame François, Engrain, Annick et les chefs, la mobilisation des acteurs pastoraux, des élèves, des personnels, de l'OGEC et de l'appel que je remercie vivement, donne à lire les merveilles produites depuis l'engagement de la mère Jarouvet. Je souhaite que ce 200e anniversaire marque la réminiscence du courage mené par mère et ses pères, mais marque aussi la volonté de tous de la poursuivre dans l'espérance, l'amour et dans l'unité. Chers élèves, puissiez-vous travailler aussi ardemment que Mère Jarouvet pour une Martinique plus aimante et ambitieuse. Saint-Joseph fait que le rappel de la vision de la Mère Jarouvet nous soutienne dans les enjeux d'exigence, de soutenir les plus faibles. Sainte Vierge Marie accompagne la congrégation vers les chemins de joie, de partage, de conversion, permet des vocations fécondes et saintes. Bonne fête à tous. Nous nous confions à l'invitation donc de Madame Lupon
mais surtout à l'invitation de l'Église, nous nous confions à l'intercession de la Vierge Marie. Nous pensons très fort à tous les élèves qui nous ont précédés, qui sont à travers la Martinique et à travers le monde, à nos parents, à nos enseignants, à ceux qui passent des examens, ceux qui vont peut-être quitter l'établissement cette année, à tous ceux qui œuvrent ici, les personnels de direction et de l'OGEC, à tous les bénévoles, à ceux qui enseignent évidemment la foi et la religion ici. Nous les confions tous à l'intercession de Maman Marie. Nous venons d'ouvrir une nouvelle page d'histoire pour les établissements Saint-Joseph de Cluny en Martinique. Désormais, elle continue de s'écrire avec vous. J'adresse tout d'abord, au nom de toute la communauté, un chaleureux merci à Monseigneur Macaire, qui a accepté de nous honorer de sa présence en ce jour de fête. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre beau mot. Une communauté éducative repose sur le dynamisme, un établissement catholique repose sur le dynamisme d'une communauté éducative. Un merci fraternel à chaque membre qui la compose aujourd'hui. Mais je voudrais surtout dire un merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, tous les anciens enseignants, personnels qui ont œuvré dans cet établissement sont à nos côtés aujourd'hui. Et je vous invite à les applaudir de toute votre force. Un merci particulier aux parents qui nous font confiance et pour tous ceux qui continuent à nous faire confiance. Un merci à chacun pour votre présence. Notre force, c'est la grâce de la collaboration. Nous sommes invités à continuer dans cette marche. Je voudrais profiter de cette occasion. Il vous a été dit que je suis la supérieure provinciale, la responsable de la région des Antilles-Guyane.
Mais je voudrais vous inviter à applaudir bien fort la première provinciale des Antilles-Guyane, originaire de Martinique, sœur Marie-Andrée, qui est présente au milieu de nous. Merci, merci beaucoup. Je redis un merci à tous et à chacun, tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui nous ont aidés de loin ou de près à préparer cette belle fête. Belle fête et belle journée à tous. Bonjour à tous. Donc, après la messe, chers élèves, vous restez assis et vous partirez seulement au signal des enseignants qui vous accompagnent. Mais ce n'est pas une nouveauté, donc je ne comprends pas ce mouvement de foule. Et à vous tous, chers invités, demain, samedi 23, toujours dans le cadre des festivités des 200 ans, la chorale Arpège, qui a animé la messe, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Donc, cette chorale Arpège vous invite, au prix de 18 euros, à venir à son concert donc de Pâques. Un très beau programme vous attend. Donc, vous pouvez voir Mme Joëlle Francourt, le chef de chœur de la chorale, pour vous procurer les places. Il y a deux séances, une à 16h et une à 19h. Bonne fin de célébration à vous. Alors, non, il manque juste l'envoi, c'est la fin. Voilà, sœur Véronique m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds pour rendre hommage à sœur Marie-Andrée. Voilà. Et notamment, merci aussi à... Il faut le dire, il faut le rappeler quand même, c'est important. Ce terrain sur lequel nous sommes a été cédé par votre famille pour l'éducation des jeunes. Et je voudrais remercier votre famille à travers ce geste, parce que regardez nos jeunes et regardons-nous et on voit comment, quand on est au service, quand on a la foi, l'espérance et votre vocation à porter tant de fruits, mais aujourd'hui c'est un moment de le contempler, de rendre grâce à Dieu. Merci sœur André-Marie, encore une fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions Seigneur, par ton amour, laisse Toi touché par la fragilité du peuple qui t'appartient, que sa prière obtienne ta miséricorde, ce qu'il ne peut mériter de lui-même, qu'il le reçoive de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous. Et
Nous étions donc en direct du Venderoute de Cluny avec l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Cluny pour le jubilé des 200 ans de l'arrivée des religieuses Saint-Joseph de Cluny en cette fête de Saint-Joseph 2024. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Saint-Louis, chers web téléspectateurs, tous ceux qui nous avaient suivis. Merci de votre unité de prière. Et comme l'a précisé tout à l'heure l'APS des lycées, vous pouvez venir aussi demain à Saint-Joseph de Cluny dans la matinée, une messe à 8h30. Mais vous pourrez aussi venir l'après-midi pour des concerts de la chorale Archbège. Bonne fête de Saint-Joseph à tous.